Hello. Et bienvenue sur la chaîne lecture pour un petit point lecture avant de partir en congé. Je vous montre les derniers livres que j'ai lus et je papote avec vous de ce qu'ils ont pu me faire ressentir ou non. Et voilà, donc c'est parti. On va parler de tout ça et il y en a un qui n'est pas là. Et d'ailleurs, on va commencer par lui. C'est Alice de Patrick Sénécal, que j'ai prêté à un copain à moi. En fait, j'étais en train de le lire et je l'ai fini quand on était chez lui. Et du coup, je lui ai laissé. Je l'ai mis en garde quand même. Parce que Alice, c'est une réécriture de conte horrifique, très gore. Alors, concrètement, je m'attendais vraiment à un coup de cœur parce que j'aime beaucoup Patrick Sénécal. De lui, j'ai lu Flo et j'ai lu Elle.com. Et Alice, c'est le troisième roman que je lis de lui et je m'attendais vraiment à un coup de cœur. Ça n'a pas été le cas, bien que je reconnais les qualités de ce roman. Donc, j'ai beaucoup aimé retrouver sa plume parce que je trouve qu'il est très intelligent. Et en termes de réécriture de conte, avec toutes les références à Alice au Pays des Merveilles, retranscrit dans une histoire plus actuelle, plus horrifique, c'est ok, on a ça, tout va bien, on a toutes les références, j'ai trouvé ça super. En plus, on a quand même la forme du conte parce qu'à chaque début de chapitre, si je me souviens bien, il y a des petites notes de l'auteur qui nous resituent par rapport au conte initial et par rapport à ce qui va se passer pour Alice, parce que celui qui lit cette histoire connaît déjà l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est vraiment une retranscription d'une jeune fille qui s'ennuie à mourir là où elle habite avec ses parents, ses amis l'ennuient. Elle est vraiment dans un monde étriqué et elle veut aller voir ailleurs, elle veut s'enfuir de ce monde qu'elle n'aime pas. Et c'est ce qu'elle va faire sur un coup de tête. Elle va arrêter ses études alors qu'elle est extrêmement brillante. Et, ou du moins elle va les mettre en pause parce qu'elle se dit qu'elle se laisse 2 mois pour trouver un logement et 1 an d'année sabbatique avant de reprendre ses études. Et donc elle décide de prendre le métro. Et elle va pas prendre le métro, elle va essayer de partir et puis ensuite elle va tomber sur quelqu'un qui perd son portefeuille. Et comme elle est bien intentionnée, Alice, il y a une certaine pureté en elle, elle décide de poursuivre ce gars-là qui a l'air un petit peu bizarre. Il est un peu bègue, mais quand il parle à Alice, il ne l'est pas. Et du coup, elle le trouve très étrange et elle essaie de le poursuivre pour lui rendre son portefeuille, sauf qu'il s'échappe sans cesse et il l'emmène jusque dans le métro. Et en fait, là où il va sortir du métro, elle va aussi sortir et elle va se retrouver dans un pays, dans une sorte de phase spatio-temporelle. Donc on est à Montréal, mais on n'est pas vraiment à Montréal. On est dans un monde où la Reine Rouge a une mainmise sur le quartier. Et donc elle va essayer de trouver un job, elle va essayer de trouver un appartement, tout ça. Et à chaque fois, il y a des petits trucs bizarres. Par exemple, quand elle cherche un appartement, là où elle habite, elle va croiser la gardienne de l'immeuble et son mari est en train de repeindre toute la pièce en rouge, le piano en rouge, tout en rouge, elle trouve ça bizarre. Elle a des voisins, mais elle ne les entend jamais. Il y a des trucs étranges. Elle envoie un voisin, un seul, qui est très 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 bizarre, dont elle va se rapprocher. Alors, là comme ça, quand je vous raconte l'histoire, vous dites ok, tout est ok, bon, d'accord. Le truc, c'est que la version horrifique va l'emmener très très loin dans des phases où il va y avoir des drogues à outrance, il va y avoir du sexe à outrance, et ça, c'est ce qui m'a choquée, entre autres. J'ai trouvé que c'était... Alors moi, je suis rarement choquée par ce genre de choses, mais là, j'ai trouvé qu'il était allé très très loin dans les descriptions de scènes de sexe avec beaucoup d'abus, très très loin.
peut-être trop à mon goût. Voilà. Et moi, ça n'a pas fonctionné. Il y a des moments où je me suis dit, mais waouh, c'est quoi cette scène, quoi ? Parce qu'en fait, elle va se... Il va y avoir... Non, je ne vais pas trop vous en dire, mais il va y avoir une transposition avec toutes les dérives de l'âme humaine par rapport au sexe ou par rapport à la drogue, à l'alcool, à tous les abus. En fait, toutes les personnes qui sont dans ce lieu-là sont borderline. Et donc, notre Alice, elle se retrouve là. Et tout le monde sait qu'elle est là et elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, elle va être très vite perdue. Et pour comprendre, elle va essayer de suivre les règles de ce quartier. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, l'histoire. Alors, j'ai fini le livre en me disant... Ouf, c'était un peu. Alors, si vous êtes sensible, n'allez pas vers ce livre-là. Si vous voulez découvrir l'horreur de Patrick Sénécal, moi, je vous conseillerais pas d'aller là, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement dur. Après, on est plus ou moins sensible à certains sujets. Là, moi, j'ai trouvé que ça allait très très loin. On parle de pédophilie aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Il y a des scènes de, comment dire. De... Comment on dit ? Il y a des scènes d'orgie sexuelle hallucinantes, avec tous les détails de tout ce que les gens font. Voilà, presque à l'excès. Alors, je pense que c'était certainement volontaire, mais presque à l'excès. Alors, dans Elle.com, il y en avait, mais ça allait dans le propos vraiment... Ça allait parce que on mettait toujours le petit truc qui disait « Ouais, attention, ça va vraiment super loin, c'est trop, quoi. » Et là, j'ai trouvé que c'était des scènes de description qui n'étaient pas forcément plus critiquées que ça. Et en fait, du coup, j'ai pas trop compris à chaque fois où est-ce qu'il nous emmenait et jusqu'où il allait aller. Et je savais jamais jusqu'où il allait aller. Et il va très loin. Voilà. Bref, c'était pas mon meilleur roman de Patrick Sénécal et je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai terminé genre le 30 avril. Donc, si vous avez vu mes trois préférés, vous ne l'avez pas vu dans la sélection. Et c'est normal. Par contre, juste après, je me suis dit, allez, lis-la maintenant parce que sinon, voilà. J'ai lu l'adaptation graphique de Patrick Sénécal et Jack Dionne, toujours chez Alire, dans la collection Front Froid. Et la BD, je l'ai trouvée vraiment super chouette. Le problème, c'est que c'est quand même très... voilà. Donc voilà, là on retrouve par exemple Alice qui est en train de prendre le métro. J'ai aimé beaucoup les dessins. Alors ça reprend vraiment l'histoire. Je ne sais pas quelle planche je peux vous montrer. Hop. Voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé que, du coup, que ça... ça montre sans trop montrer. Et du coup, enfin, ça montre quand même. C'est très rouge, c'est très... Il y a des parties pris graphiques, vous voyez, quand ça fait peur, c'est noir et blanc en extérieur. Quand on est... Il y a des scènes avec du sang, par exemple. Je vous montre juste parce que... que vous rendiez compte un petit peu, c'est hyper sanglant, violent. Il a repris aussi la partie avec les chapitrages et je trouvais que c'était vachement bien. Je crois que j'ai préféré l'adaptation graphique au roman, mais peut-être que j'aurais eu un sentiment différent si j'avais pas eu le roman avant. Donc c'était vraiment une BD que j'ai bien aimée et je vais la garder dans ma bibliothèque et je la relirai certainement en laissant un peu de temps après avoir lu le roman. Et la BD était vraiment très très bien. L'univers graphique était chouette. Alors ensuite, j'ai lu un petit album jeunesse à l'ombre de Barbe Bleue de Charlotte Mundlik et François Roca chez Albin Michel Jeunesse. Et c'était vraiment très sympa, alors parce que les illustrations étaient assez belles. Donc c'est une réécriture de Barbe Bleue, où la jeune fille qui est impliquée dans l'histoire va être en fait sauvée par ses sœurs. Et j'ai trouvé que c'était assez beau.
Voilà, donc à lire à vos enfants ou à lire vous-même, c'était vraiment très chouette. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai lu il y a un petit moment, désolée. Alors sinon, ça c'est pareil, je l'ai lu il y a un petit moment. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans les détails. J'ai relu Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant et c'était très chouette de retrouver la plume de Guy de Maupassant puisque je l'avais lu en 4e B et donc ça veut dire que j'avais 11 ans. Voilà, parce que j'ai un an d'avance. J'avais un an d'avance, parce que là, je ne l'ai plus. J'ai plus mon an d'avance, là. Alors, sans rentrer dans les détails, ce sont des portraits de gens, de personnes, dans 16 nouvelles, qui se situent en Normandie, où Maupassant a vécu sa jeunesse. Et on va suivre des paysans, des aristocrates, dans leur vie quotidienne. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un univers très beau. J'ai trouvé que c'était très accessible, certaines plus que d'autres, que c'était très agréable de lire au quotidien une petite nouvelle. Après, je me souviens plus trop des histoires, pour être honnête. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, ça m'a donné envie de relire du Maupassant. J'ai bien envie de relire Belle Amie, je l'avais lu, mais je me souviens plus du tout. Un jour, je relirai d'autres choses de Maupassant. Et je vous les conseille si vous aimez les petits contes et les petites nouvelles, c'est plutôt sympa. J'ai sorti le premier tome de Samouraï 8 de Akira Okubo et Masashi Kishimoto chez Kana. C'était un manga que mon fils Lucien voulait que je lise, mais moi il me faisait un petit peu peur parce que c'est vraiment shonen. Et écoutez, le début était pas génial, mais la seconde moitié du manga était plutôt chouette. Donc c'est l'histoire d'un jeune au début qui a des problèmes physiques. Je vais essayer de vous le montrer. Il est branché de partout. Je sais pas si vous allez le voir. Je trouve que les dessins sont pas super super. Je vais essayer de vous le montrer. Là voilà. Il a des branchements pour survivre. En fait, son père s'occupe de lui. Et en fait, petit à petit, on va comprendre. Voilà, en fait, il y a une grosse. Il est connecté à un gros truc comme ça. Et c'est son père qui s'occupe de lui. Et en fait, on va se rendre compte que s'il fait ça, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il a le cœur d'un samouraï. Et en fait, ce qui va mettre ça en exergue, c'est celui-ci qui arrive avec une sorte de... non, parce que c'est pas ça. Lui, il arrive, là, et en fait, il va rencontrer son père, et puis il va y avoir quelqu'un qui va les attaquer, et en fait, il va se transformer à ce moment-là, et il va se rendre compte que sa vie va changer, et il va devenir un grand samouraï, parce qu'il était destiné à ça. Voilà. Et en fait, ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est que je trouvais qu'il y avait pas mal d'humour et que, il a une destinée assez tracée et il doit se connecter à une princesse, un truc comme ça. Et en fait, il va certainement aller la voir parce qu'à l'intérieur, il y a des pierres, des sortes de pierres comme ça. Et la pierre qu'il a trouvée, en fait, est une pierre qui appartenait à une jeune fille parce que chaque samouraï est connecté à une jeune fille. Et donc, certainement, la quête va se poursuivre pour qu'il puisse retrouver cette jeune fille qu'on aperçoit à la fin du premier. Donc, je trouvais que le cliffhanger était plutôt sympa à la fin. Alors, on a la suite. Et je pense que je vais peut-être lire le 2. En fait, il y en a 5. On n'a pas le 5. Il est en 5 tomes et ça se termine en 5 tomes. Donc, je me dis que peut-être que je vais continuer. Voilà. On verra. Si j'ai pas forcément envie. Et en fait, la quête de ce personnage-là, c'est de trouver les 7 clés des 7 samouraïs, des 7 grands samouraïs. Et la première, c'est lui. C'est lui qui l'a détenu à l'intérieur de son corps. Ensuite, j'ai lu Barbe Bleue d'Amélie Nothomb. Et là, c'était trop bien. Ça m'a beaucoup plu. Je fais un petit clin d'œil à Bookish, c'est ça ? Oui. Je te fais un petit clin d'œil parce que tu l'as lu dernièrement et tu as aussi beaucoup aimé. Et moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un roman qu'elle a écrit en 2008, je crois, quelque chose comme ça. Non, 2012. Et c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que
il va y avoir la relation entre cette jeune femme qui vient vivre en fait chez Barbe Bleue, qui est réputée, qui a déjà une réputation qu'il suit, donc comme Barbe Bleue. Elle y va pensant en fait être différente et ne pas se laisser berner. Et en fait, elle va apprendre à le connaître et ils vont passer des dîners à boire du champagne, à manger des bonnes choses. Et en fait, elle arrive à. Elle se dit que c'est plutôt pas mal de vivre comme ça parce qu'en plus, avant, elle vivait dans une sorte de taudis. Ses parents étaient vraiment pas riches et là, elle se retrouve en fait à pouvoir porter des beaux habits qu'il lui offre. Non, qu'il lui offre, qu'il lui confectionne parce que monsieur coud des habits à ces différentes femmes. Ils vont parler des différentes femmes et on va comprendre petit à petit pourquoi elle est là. Et voilà. Donc, j'ai trouvé que. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les interactions entre les deux personnages, parce que j'ai trouvé que le personnage féminin était très contemporain et très à vif. Et j'ai trouvé ça super parce que le personnage de Barbe Bleue, lui, est très. Il ne sort pas de chez lui, il est très introverti, il est très secret. Et en fait, il se retrouve confronté à la fougue et à l'envie de vivre. Et qui des deux va succomber à l'autre. C'est intéressant de voir comment elle termine son roman également. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un très bon moment de lecture. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très belles et notamment, il parle de la photographie et je trouvais ça super intéressant parce que le personnage de Barbe Bleue se prend une seule photo des femmes qu'il a aimées après les avoir tuées. Et donc, il parle de la photographie et de ce que ça exprime pour lui. Et il y a un passage à la fin qui est génial, justement, où le personnage de la jeune femme va se faire prendre en photo par Barbe Bleue. Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle de sa propre image. Enfin, il y avait plein de trucs super intéressants. Avec Amélie Nothomb, ça part un peu dans tous les sens, mais c'était passionnant. Alors, on l'a vraiment retrouvée dans ces traits-là, parce que celle qui adore boire du champagne. On la connaît. J'ai trouvé aussi que il y avait une belle empreinte de couleur là-dedans. J'ai noté quelques petites choses parce que elle a vraiment réussi à garder, je trouve, l'ambiance de ce conte, tout en faisant quelque chose de très différent, mais très coloré, très joyeux, très vif. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a une vraie vivacité dans cette histoire. Et je vous la conseille. C'était vraiment chouette. Et je relis du Amélie Nothomb en ce moment. Et je trouve ça super. J'avais lu Acide Sulfurique il n'y a pas très longtemps. Après, c'est des anciens livres. J'avoue que les plus récents me tentent moins. Mais relire du Amélie Nothomb dans les années 2010, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai lu une super BD. En fait, c'est un comics que j'ai lu. Et le problème, c'est que c'est un tome 1. Et il va falloir que j'achète la suite. Mais c'était trop bien. Alors, c'est aussi inspiré des contes, hein, parce que je suis dans plein dans mes réécritures de contes. Je vous en ai déjà un petit peu parlé si vous avez vu mon feuilleton du week-end. J'en ai parlé un petit peu parce que j'étais en train de le lire. Et j'ai trouvé ça super parce que on traite des personnages, des fables, qu'on nomme fables même, donc c'est bien eux, qui sont en fait exclus de leur monde extraordinaire pour devoir vivre dans le monde des humains, suivre les règles du monde des humains, mais ils ont leur propre gouvernement, etc. Et en fait, on va suivre une enquête parce qu'il y a un appartement qui est retrouvé saccagé et on pense que la sœur de. Comment est-ce qu'elle s'appelle? On pense que la sœur de Blanche-Neige est décédée. Et en fait, on va faire appel à Lou, au The Wolf, pour enquêter. Et comme c'est sa sœur qui est engagée en fait dans cette enquête, l'enquête va être faite par le Loup et par Blanche-Neige. Aidée de d'autres personnes, on va croiser Jack de Jack et le haricot magique, le beau prince charmant. La Belle et la Bête, on croise vraiment plein de personnages dans une enquête super bien ficelée. Alors, je vais vous montrer quelques images. On est vraiment sur du comics.
Alors moi, en fait, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri parce que justement, ça reprend vraiment tous les petits bouts d'histoire qu'on connaît. Et on voit les personnages qui ont vraiment des allures humaines et qui ont du coup des traits de caractère très, très extraordinaires dans un monde humain. Et j'ai trouvé que c'était très chouette. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage du loup, je vais vous le montrer parce que il a un côté. Voilà, c'est lui là. Il est hyper dark. Voilà. J'ai trouvé ça super chouette. Voilà, donc vraiment très très bien. Je vous invite à la découvrir si vous ne connaissez pas. Et on va terminer avec deux romans. J'ai fini hier Les raisins de la colère de John Steinbeck. Ici chez Folio, qui a eu le prix Nobel de littérature. Moi, j'ai lu Des souris et des hommes de lui, que j'ai adoré. C'était une version illustrée superbe. Là, je vous en ai déjà un petit peu parlé aussi dans mon feuilleton du week-end. J'ai moins aimé et j'ai encore du mal à savoir pourquoi. Alors, j'ai adoré la plume, je trouvais que c'était superbe. Je pense. Alors, on va suivre une famille pendant la Grande Dépression qui est obligée de fuir ses terres pour... En fait, il quitte... je sais plus, c'est quoi en fait? Il quitte quoi? Il quitte le Colorado, je crois, pour fuir, pour aller en Californie. Pour tenter en fait de survivre parce que leurs terres sont détruites, leurs terres sont sous des nuages de poussière, des centimètres et des centimètres de poussière, ils ne peuvent plus cultiver, ils vont donc mourir s'ils restent, et en plus arrivent aussi tous les tracteurs, toute cette nouvelle façon en fait de faire de l'agriculture qui enlève tout leur travail aux hommes, et donc on suit une famille, la famille Joad, qui va fuir. Alors, dans cette famille, il y a un père, une mère, deux enfants, un plus grand qui revient de la prison, qui a été libéré parce qu'il s'est bien conduit, mais voilà. Et il va en fait retrouver sa famille juste avant qu'il s'en aille. Et ils vont partir tous ensemble. Ils vont être accompagnés aussi d'un prêtre, mais qui ne souhaite plus représenter Dieu parce que ils préfèrent représenter les humains que Dieu, et ils partent sur les routes avec des vieilles voitures qu'ils ont achetées avec le peu d'argent qu'ils avaient, et ils essaient de survivre. Parmi les enfants, j'ai dit qu'il y avait deux petits là, parce qu'en fait on voit sur la photo, effectivement il y a deux petits enfants, mais il y a aussi une jeune fille qui est enceinte, et ce jeune homme qui revient de prison. On a aussi les deux grands-parents qui ne veulent pas partir de chez eux. Et on a l'impression, en fait, quand c'est écrit, que, ils partent et vraiment, ils vont survivre. Et on sait déjà à l'avance que ça va être très compliqué. Et je pense que ce qui m'a pas particulièrement plu, c'est que j'ai trouvé que... Alors moi, j'ai pas arrêté d'appeler ça les raisins de la galère, parce que du début à la fin, il se passe que des choses terribles. Hein, et on sait en lisant, je trouve que c'est hyper plombé, en fait. Et alors... J'ai tout à fait conscience que ce texte est extrêmement réaliste, extrêmement inspiré de plein de choses, de plein de représentations, par exemple mythologiques, ou de représentations symboliques très fortes. J'ai corné pas mal de choses parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est extrêmement bien écrit, très réaliste. Les personnages sont aussi très forts, ils ont leur façon de parler, leur patois, qui n'était pas forcément agréable à suivre, j'ai trouvé, mais bon, qui était là vraiment pour ancrer l'histoire. Et surtout, là où ça m'a un peu détaché, en fait, c'est qu'il alternait des chapitres assez courts où il parlait en tant que narrateur externe, où il allait voir d'autres personnages qui étaient sur la route, sur cette route-là de cette famille, et qui survivaient à leur façon, j'ai trouvé que c'était jamais gai, en fait, bien sûr, et j'ai trouvé que peut-être que ce qui m'a pas plu, c'est que dès le début,
n'y a pas trop d'espoir, quoi. Moi, j'ai pas ressenti d'espoir. J'ai trouvé que c'était hyper plombé, en fait. Et donc, assez fascinant et intéressant à lire, mais pas du tout, j'avais pas du tout, enfin, j'avais pas vraiment envie d'y revenir. Donc, heureusement qu'il y avait ce découpage qui m'a boosté et que j'ai accéléré à la fin parce que je voulais terminer et ne pas lire que ça. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, j'en parle depuis un petit moment avec mon homme avec qui j'en parle parce que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas particulièrement aimé. Et juste pour ceux qui ont lu, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais cette dernière scène-là, on est d'accord que, enfin, cette dernière scène, c'est très biblique. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça aussi qui me pose un peu souci, c'est-à-dire tout ce qui est derrière cette morale aussi de il faut aider son prochain, tout ça. Cette famille, ils sont vraiment extrêmement gentils et peut-être trop en fait. Et ils se font, mais je sais pas, ils se font laminer quoi. Ils se font laminer par la vie, par la galère de leur pays, les problèmes de la voiture, la chaleur, la mort qui n'est pas loin, la maladie, cet enfant là qui enfin la femme qui est enceinte, on sent que ça va à tout moment, ça va pas aller. On sent que le gars qui est sorti de prison, on sent que ça va pas aller. Les grands-parents qui sont malades, on sait que ça va pas bien se passer. Donc en fait, on subit avec eux tout le temps. Alors je pense que c'est volontaire, mais c'était hyper plombant quoi. Et donc je suis contente de l'avoir lu parce que j'ai envie de continuer à lire Steinbeck. D'ailleurs, j'ai la perle dans j'ai celui-là que j'ai très envie de lire et que je lirai peut-être cet été. J'ai très envie de continuer à lire Steinbeck, mais celui-ci, alors. Voilà, d'un point de vue classique, je suis contente de l'avoir lu, mais c'était pas évident pour moi. Voilà, après c'est très bien écrit, hein, je peux pas dire. Ça se lit très facilement, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Voilà. Et oui, le côté biblique. Bref, il y a plein de trucs à dire, mais bon, je vais m'arrêter là. Et pour terminer, j'ai fini avec L'étrange malaventure de Mirella que j'ai fini ce matin. Donc c'est un roman de Flore Vesco. Moi j'ai lu D'or et d'oreiller. Et dans ma pile à lire, j'ai aussi le truc des enfants là, qui est sorti dernièrement. Des enfants délicieux, un truc comme ça. Et c'était vachement bien. Donc ça c'est public jeunesse. Et vraiment c'était vraiment très très bien. Donc c'est la réécriture du conte du petit joueur de flûte de comment Damelin, si je dis pas de bêtises. Conte que je ne connais pas bien, qui parle de la peste et d'un joueur de flûte qui va faire fuir tous les rats qui vont amener la peste de Damelin. Donc là, en fait, elle va prendre ce conte-là et elle va en faire toute autre chose, toujours avec une figure féminine très très différente, qui pense différemment des autres, qui est intelligente, qui est courageuse, qui pourrait se laisser aller, mais en fait, comme elle réfléchit beaucoup, elle va jamais là où on pense qu'elle va aller. Elle va comprendre d'où elle vient parce que en fait elle était dans un orphelinat, mais en fait elle va rapidement comprendre que elle est venue d'ailleurs. En fait, elle est née de façon assez tragique et dès le départ, en fait, elle a été vue comme sorcière. Donc la figure de la sorcière est très présente. Voilà, après vraiment, je trouvais que c'était très intéressant parce que on va parler de l'épidémie de peste avec pas mal de précision. On va parler aussi des lépreux qui étaient très présents à l'époque, dont elle va se rapprocher parce qu'en fait tout le monde a peur d'eux et elle est porteuse d'eau et en fait elle va les aider, ou du moins elle va
moins avoir peur que les autres, moins avoir peur de la différence que les autres. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce qui était très sympa, c'est qu'elle va parler en ancien français. Et tout à la fin du roman, alors c'est vraiment, faudrait que je vous mette un exemple, mais c'est vraiment en ancien français, quoi. Un exemple, mais bon, bref, c'est ce personnage est très touchant. Et en fait, donc à la fin du roman, elle explique parlader comme autant jadis, c'est aisé. Pour donner une couleur médiévale à un texte, tu peux remplacer les lettres A, I et E à l'intérieur des mots par As, Is et S. Exemple, forest, fest, fenestre, best, bastir, passe, île. Voilà. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. En fait, elle explique comment elle a fait. Elle te donne aussi un bonus pour savoir comment insulter ton ou ta pire ennemie en ancien français. Je trouve que c'était trop cool. Et il y a un petit lexique pour ceux qui veulent savoir. Mais en fait, ça se lit assez bien et on se fait assez rapidement à l'ancien français. Alors, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas lourd. Mais je trouvais que c'était quand même assez, assez intéressant d'être allé jusque-là dans son texte. Et voilà, donc ça m'a laissé vraiment une impression de force féminine, vous voyez, qui était vraiment chouette, le personnage de Mirella, vraiment intéressant. Il y a du fantastique là-dedans, on va aller se frotter à la peste en personne. Et voilà, c'était vraiment, vraiment super. Donc, je suis très impatiente de lire un autre Florvesco. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de lire son dernier, là, en avril, parce que j'ai d'autres choses que je dois lire. Et c'est vrai que des contes et réécritures de contes, j'en ai lu déjà pas mal. Mais j'aime beaucoup sa plume, vraiment. Et c'est super bien écrit pour les jeunes et tout, c'est vraiment chouette. Alors, c'est jeune, c'est public jeunesse, mais en tant qu'adulte, vous pouvez y aller sans problème parce que ça aborde quand même des sujets qui sont appréciables à tout âge. Donc, n'hésitez pas à aller vers sa plume, même si c'est rayon jeunesse. Et faites-le lire à vos enfants parce que c'est chouette aussi. Voilà, on a fini avec ce point qui était beaucoup trop long. Je vais voir quand est-ce que je vais avoir le temps de monter ça, parce que demain, je pars en vadrouille, en vacances. Et là, ce soir, j'aurai pas le temps. Donc, on verra bien. Donc, je vais vous laisser là, et je vous emmène en vlog, je pense, pour cette semaine. Bon, après, je pars demain, dimanche, et je rentre vendredi. Donc, voilà, une petite semaine, voire 10 jours avec moi sur un vlog. Ça fait un moment que j'ai pas filmé un vlog. Voilà, donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye!